Piranha, piranha, ragnani et ragnagna. Mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Si nous sommes réunis ici, c'est pour célébrer un événement majeur dans notre communauté. Il y a de cela bien longtemps, un brave homme, Saint Picasso, forgeron de son état, eut un accident tragique. Un troupeau de bœufs lui passa dessus, laissant le pauvre homme pour presque mort. L'histoire se souviendra des mots justes qu'il sut trouver à ce moment-là. Finissez la fête sans moi. Heureusement, Saint Picasso se remit de ses blessures. Un miracle ! Non, une bonne mutuelle qui lui assura une sidérurgie esthétique de haut niveau. Mais savez-vous aussi et surtout pourquoi Saint Picasso se remit de ses blessures ? Le savez-vous ? Eh bien, parce que cet homme avait un ami, Saint François, un humble agriculteur du Sud-Ouest qui gagnait honnêtement sa vie en touchant les subventions de l'État. Saint François toucha du doigt Picasso, car il était aussi proctologue à ses heures perdues, et il lui proposa de rejoindre son groupe d'apôtres, de saints hommes qui répandaient partout où ils passaient musique, chant, bonne humeur et quelques notes impayées. C'est ce groupe que nous accueillons ce soir. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, je vous demande d'accueillir les Astyousses.